l'entretien du club de la franchise. Ça fait un certain temps qu'on en parle tous les deux, et vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous. Vous êtes le directeur grand compte et partenariat de Dalenis. Alors, vous me présenterez qui est Dalenis, un groupe spécialisé dans le système de paiement. Si vous voulez bien, mais commençons par ça. Qui est Dalenis? Bonjour Yves Sassy et merci beaucoup de m'inviter. On est ravis, en tout cas chez Dalenis, d'être partenaire pour cette année du Club de la franchise. Alors Dalenis, c'est très simple en fait. C'est une grande plateforme de paiement unifiée qui permet d'accompagner des commerçants, des franchiseurs, des retailers, des marketplaces avec une intégration technique et une plateforme de dernière génération. Depuis un peu plus d'un an maintenant, le monde du retail a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a des transformations, notamment concernant la marketplace. Vous, quelle est votre analyse? Alors, c'est très juste, Yves Sassy, c'est que le modèle, en fait, évolue fortement, notamment dans le retail, hein, l'ensemble, en fait, de ces grands acteurs qui ont un réseau de magasins, qu'on soit franchisé ou pas. Ce qu'on voit, c'est que la marketplace aujourd'hui, donc la place de marché, n'est plus un sujet uniquement lié au paiement en ligne, qui consiste en fait à élargir un catalogue produit pour capter et fidéliser sa propre base de clients. Ce qu'on voit, c'est que la marketplace arrive aussi dans les points de vente physiques et Dalenis aide aussi les retailers, les franchiseurs dans cette démarche-là, à pouvoir proposer, par exemple, dans leur magasin, des corners, notamment pour les produits dits de seconde main, de seconde vie, qui permet effectivement à un client de l'enseigne, de la marque, de pouvoir ramener un produit en bon état, de pouvoir le remettre en vente directement dans le circuit en fait, du retailer, du franchiseur, et derrière de pouvoir procéder à un nouvel acte d'achat sur un produit un peu plus, plus récent. Et en fait, les systèmes de paiement ont évolué pendant cette période. Oui, complètement. La fidélisation, tout cela est intégré maintenant. Oui, tout à fait. Et donc, pour le faire maintenant, il faut absolument en fait, se tourner vers des solutions comme Dalenis qui unifient effectivement ces paiements-là pour pouvoir effectivement répondre à ces nouveaux enjeux digitaux et totalement omnicanaux. C'est ça. En fait, c'est l'omnicanalité qui est devenu primordial pour pouvoir fidéliser un client, quel que soit son lieu d'achat. Oui, ce qui est sûr, c'est que les consommateurs que nous sommes ne rachèteront jamais comme nous le faisions avant. Et donc, en fait, l'enjeu des retailers et des franchiseurs, c'est de pouvoir s'adapter à ces nouveaux modes de consommation en proposant les parcours adéquats. Et c'est là-dessus que Dalenis, en fait, accompagne effectivement ses clients et ses retailers dans cette démarche totale de digitalisation. Ce que je trouve intéressant, c'est justement l'aide que vous apportez à vos clients dans les magasins. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de manière très simple. Ça, c'est le pitch commercial, et de manière un peu plus complexe, puisqu'en fait, pour que l'ensemble en fait, des flux soit centralisé sur une plateforme, eh bien, il faut effectivement pouvoir les articuler intelligemment avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème dont le paiement arrive en bout de chaîne. Et oui. Donc, ça veut dire... C'est souvent la difficulté que rencontrent les franchiseurs, ou en tout cas les réseaux, d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes de paiement. Là, c'est un petit peu la spécialité de Dalenis, si j'ai bien compris. Oui, en fait, chez Dalenis, c'est très simple. Dalenis est vraiment un expert des paiements digitaux en France et également en Europe, et connecté aux principaux partenaires qui comptent dans l'écosystème, d'ailleurs, omnicanal du monde physique. Donc, c'est typiquement les partenaires qui s'occupent de flux logistiques avant le paiement. Et grâce à des connecteurs qui sont mis à jour régulièrement par Dalenis arrive à simplifier en fait ses parcours de paiement en les rendant simples et en essayant d'aider les propres clients, les clients finaux, à optimiser leur parcours d'achat. Il y a une vérification des saisies du consommateur quand il paie avec sa carte bleue sur le système de paiement du magasin.
Alors ça, c'est un point très important, c'est tous les aspects en fait qui sont liés à la sécurisation des paiements. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui dans le contexte actuel, avec notamment le respect des gestes barrières, des consommateurs qui veulent aussi changer leurs habitudes pour pouvoir payer de manière la plus sécure possible, mais également la plus optimisée, avec leur mobile, avec leur carte en mode sans contact. Et donc Dalenis, pour répondre directement à votre question, s'occupe aussi bien de la sécurisation des paiements dans le monde physique, donc dans les magasins, au travers d'applications mobiles de paiement in-app et ou de TPE de dernière génération pour lesquelles Dalenis est connecté, e-commerce, type click and collect, ou alors tout simplement de paiement par lien. Je reçois directement un message sur mon mobile, je clique dessus, je renseigne mes données de carte et derrière, je valide mon paiement. En fait, vous avez mis en place tout l'éventail des systèmes de paiement qu'on rencontre un peu éparpillé souvent dans les différentes offres. Oui. Alors ça, c'est très vrai. C'est justement, ça a été renforcé notamment par le contexte actuel et la crise que nous traversons. C'était de dire finalement comment on peut, en une seule intégration technique, pouvoir proposer à nos clients en fait, différents parcours de paiement avec une seule intégration. Et ça, effectivement, c'est très différenciant sur le marché. Il n'y a pas besoin d'aller contracter avec tel partenaire pour avoir un paiement par lien ou avec tel autre pour avoir du paiement in-app. Chez Dalenis, tout a été déjà pré-développé sur la plateforme et nos clients y ont accès assez facilement et sont accompagnés d'ailleurs par nos Customer Success Manager, c'est-à-dire en fait les commerciaux au day-to-day qui accompagnent nos clients pour les aider dans cette démarche. Oui, en réalité, il y a deux questions que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y a une formation, alors vous venez d'entamer la présentation sur ce sujet-là, et quel temps faut-il pour mettre en place tous ces systèmes-là? Alors, en règle générale, en fait, nous proposons en fait un atelier préparatoire juste pour bien évaluer en fait le mapping des différentes solutions qui sont connectées chez le franchiseur ou en tout cas dans le point de vente et sur le site marchand. Une fois qu'effectivement ces partenaires sont clairement identifiés, nous validons bien l'intégration technique et donc ça c'est un travail assez rapide qui nous permet en fonction de la taille des clients et puis surtout en fait des équipes IT qui sont mises à disposition de ces nouveaux projets, de pouvoir démarrer des projets, je dirais entre 1 mois et 3 mois en fonction de la taille et la complexité du projet. Est-ce que c'est accessible à des jeunes réseaux qui ont 10, 20 implantations ou est-ce que c'est plutôt adapté à un grand groupe? Alors oui, Dalenis en fait accompagne toute typologie de clients, petits, moyens et grands clients au travers de setups qui sont déjà prédéterminés à l'avance et qui permettent de démarrer assez rapidement, quelle que soit la problématique rencontrée. Une petite idée du tarif, peut-être? Alors, le tarif, c'est toujours quelque chose d'important, bien sûr, pour lequel, effectivement, Dalenis donne une entière et totale transparence, pour le coup. Après, les tarifs sont donnés en fonction de la complexité d'intégration, même si nous cherchons à la rendre la plus simple possible. Les tarifs sont donnés en fonction de la volumétrie, bien sûr, de nos clients. Et puis, enfin, du type de carte qui seront acceptées, type de carte et ou autres méthodes de paiement alternatives qui permettent d'accélérer et de booster la conversion, soit en magasin, soit online. Oui, c'est ça. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était compatible avec des outils de paiement, je pense au paiement par téléphone, un système comme Billy ou d'autres. Qui sont des paiements sans contact et directement grâce au téléphone, tout cela peut être intégré à votre solution. Oui, tout ça, l'ensemble des canaux de vente en fait sont parfaitement en fait gérés directement depuis la plateforme. Et donc en centralisant l'ensemble de ces flux-là, et si on se projette un peu plus loin avec des franchiseurs, ça leur permet d'avoir vraiment une visibilité 360 degrés de l'ensemble de leurs transactions, quels que soient les canaux de vente, aussi bien auprès du siège que l'ensemble des réseaux de franchise. Et donc, ça leur permet surtout de pouvoir proposer des expériences de paiement assez uniques, qui sont complètement unifiées, quels que soient les magasins, quels que soient les réseaux de franchise.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous fait l'expérience, chacun d'entre nous, de différents parcours de paiement qu'on a pu avoir au travers de paiements réalisés à titre personnel au sein de réseaux franchise. Et on a pu s'apercevoir que les paiements n'étaient pas forcément réalisés. J'ai toujours en tête un produit qui a été acheté dans une boutique A qui ne convient pas. Et donc, on rappelle effectivement un numéro client et on nous répond « Ah bah oui, mais c'est pas nous, c'est le site Internet. » Bon, ça aujourd'hui dans le contexte Covid, ce sont des choses en fait qui doivent être largement améliorées pour proposer des expériences de paiement unifiées. Pour le coup, le consommateur, lui, qu'il ait acheté un produit dans une boutique A ou une boutique B, il l'a acheté essentiellement auprès de la marque. Et donc, ce qu'il veut, c'est avoir aussi un service unifié, tant sur le paiement que notamment dans le traitement de ces remarques et réclamations. Oui. Merci, Paul Ajard, d'avoir consacré tout ce temps aux entretiens du Club de la Franchise. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres événements. À très bientôt. Merci, Paul. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Paul.